Commençons par la visite officielle du président français en Chine. Vous êtes en train de visionner des images en direct d'une cérémonie de bienvenue au président français Emmanuel Macron. Il a visité mardi matin l'immense cité interdite de Pékin avant une journée de discussion et de signature d'accords commerciaux avec son homologue chinois Xi Jinping. Des analystes politiques disent que les deux figures montantes de la scène politique internationale souhaitent renforcer leurs liens. Il est prévenu qu'Emmanuel Macron rencontre d'autres dirigeants chinois mardi et mercredi. Son gouvernement a déclaré que ces rencontres aborderaient des sujets tels que la menace nucléaire en RPDC, la lutte contre le financement du terrorisme et le changement climatique. Les deux présidents devront assister à la signature d'environ 50 accords, dont certains dans les secteurs clés de l'énergie nucléaire et de l'aérospatiale. Dans un discours donné lundi, M. Macron a appelé l'Union européenne à participer au projet commercial et d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars du président Xi, les nouvelles routes de la soie. Il a cependant prévenu que cette initiative ne devait pas créer une nouvelle hégémonie. Le dirigeant français a confié aux journalistes qu'il avait discuté longuement de l'initiative des nouvelles routes de la soie avec Xi Jinping lundi soir.